rencontré Brel en 1954. Il était pratiquement inconnu. Je suis tombé en admiration devant cet homme, ce talent, ce génie, cette merveille qu'il est. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port... On va faire l'accord de F jusqu'à la fin. Et le tempo de P était sublime. Essayons de le retrouver. Il est magnifique. Il est un enfant naturel de François Robert. C'est un magnifique musicien. Il est à la fois moderne, insolent, fastueux. Et il est magnifique. C'est vraiment un merveilleux musicien. Je suis très très fière et très heureuse de travailler sur sa baguette. Des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune. J'ai beaucoup de culot de faire ça. Je me rends bien compte que c'est bizarre. C'est un langage qui normalement ne devrait pas être le mien. Mais c'est le sien, donc c'est le mien. Naturellement, c'est pas... Je n'ai aucun problème à parler au masculin. Ce n'est pas à moi que je pense, c'est à lui. C'est une forme de dommage et de remerciement. Alors, j'essaie de faire du mieux que je peux. Les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port...